Non, c'est pas.
Attends, c'est faux qu'il ait fait, moi je l'ai pas défait. Il y a des trucs qui sont moi j'ai fait, là, regarde. Voilà, petit machin. On va faire la musique, nous. Là-haut, là-haut, il faut qu'il est. Là-haut. Là, tu le ramènes. Le cancer est maintenu ou pas? Tu le ramènes et tu le redresses. Le cancer est maintenu. Là. Hop, 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 arrête. Tu le mets là. Et celui-là, on le rend plus tard. Là, ça étonne dans l'enjeu. Oui. Vous savez tous, c'est du steel drum. Le steel drum, c'est un instrument qui est fait avec les bidons. C'est ce qu'on appelle de la percussion harmonique. C'est-à-dire sur les bidons, on a creusé les notes. Voilà. Donc, quand on tape un do, c'est un do. Ça n'a rien à voir avec les tambours du Bronx, qui est de la percu pure. Nous, c'est de la percussion harmonique, c'est-à-dire qu'on est capable de jouer tous les morceaux de musique. Et vous allez le voir ce soir, on a adapté nos morceaux en fonction des morceaux que les gens connaissent pour que, bon, que ça soit dansant, que ça soit gay et festif. Alors, vous avez devant vous un steel band. Un steel band, c'est un orchestre de steel drum. Et dans un steel band, il y a plusieurs sortes d'instruments. Vous voyez qu'il n'y a pas tous. Tout le monde n'a pas les mêmes bidons. Alors, vous pouvez dire bidon, on vous autorise à dire bidon. Vous n'êtes pas obligé de dire steel drum, vous pouvez dire bidon. Mais pas tambour, ça ne marche pas trop, tambour. Alors, il y a quatre sortes d'instruments. Donc, vous avez devant, vous avez les ténors. Donc, ils vont vous faire une démonstration, là. C'est la hauteur du bidon qui fait la caisse de résonance. Allez les filles. Voilà. Et entre ces... Vous pouvez les applaudir, hein. Alors, ça avait été contractoral. Vous avez ce qu'on appelle des guitares. Ça n'a rien à voir avec cette guitare-là. Hein. Une guitare sert à faire les accompagnements. Je suis toute seule. Contre-temps, les accompagnements, c'est le second. Donc vous avez deux secondes devant vous. Un condensé du ténor, du sous, pas de la guitare, c'est le cello. On a un cello devant nous là. Donc c'est fini. Voilà. Et avec tous ces bidons, quand
quand même, on a des vraies percussions pour nous donner, pour nous aider, pour nous donner un peu le rythme. Donc là, il y a Jeannot à la batterie. Ça. C'est un morceau qui s'appelle Coconut. Allez.